Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer toute ma collection de palettes ou autres produits de chez Sleek. Donc c'est une marque anglaise. Quand elle est apparue en France, chez Sephora ou d'autres sites, personne ne la connaissait. Tout le monde était dubitatif sur cette gamme, enfin sur cette marque, je veux dire. Disant que c'est pas assez pigmenté ou pas assez coloré, je sais pas quoi, mais moi j'adore. Certaines palettes sont magnifiques, certaines sont nude, ce qui n'est pas pour moi. Donc je vais vous montrer toutes un par un, voire même quelques swatchs de mes teintes préférées. Donc c'est parti, je vais commencer par mon dernier achat, c'est celui-ci. Il est encore chez Sephora. C'est un fond de teint donc full couvrance. Sweet proof, ça veut dire quoi? Je sais pas si c'est waterproof, je sais pas franchement. Et sans huile surtout. C'est vrai, ça c'est quoi sweet proof? De toute façon, ouais, ils le vendaient sans packaging, du coup. Voilà quoi. Mais ce qui est bien, c'est que c'est sans huile. Et ça, c'est bien vu que j'ai une peau super grasse. Donc voilà. Elle est pas mal. Elle est un peu épaisse et moi j'adore les fonds de teint épais. Vu que ça couvre bien. Je sais pas si elle est mousseuse. Parce que les fonds de teint épais, je veux dire, sont un peu mousseux parfois. Alors, on va voir ça. Ah, il est neuf, hein. Ouais, je l'ai pas encore ouvert. Quand je l'ai testé chez Sephora, il était un peu épais. Donc, moi, ça me va, hein. Franchement, pour couvrir, c'est pas mal. En plus, c'est un gros tube. Combien de millilitres? C'est où, c'est où, c'est où? Ouais, je l'ouvre pas parce que... Après, c'est 6 mois, hein, de... J'ai d'autres fonds de teint à finir, donc autant la préserver, celle-ci. Et c'est la teinte, bien sûr, la plus claire. 30 millilitres, voilà. Donc, j'ai un bon bout de temps pour la servir. Ensuite, la CC Crème. Celle-ci, au moins, je l'ai ouverte. Boost Radiance et Matifiant. Ouais, contre les brillances. Donc, Protection 29, UV. Ça, c'est bien pour l'été. Et bien sûr, la couleur fer la plus claire. Donc voilà. Elle est un peu liquide. Je teste un peu. Ouais, ça ressemble un peu à la backstage de Dior. Donc moi, ça me va, hein. Attends, je vais refaire ça. Ouais, je l'ai mise ici. Elle se voit même pas. Ouais, elle se voit même pas. Donc, c'est parfait. C'est comme la backstage, mais un peu plus épaisse, on va dire. Ouais, ou la Benefit, on va dire. Ouais, elle est pas mal. Elle fait un teint naturel et en plus, je l'ai mis sur mon bras. Je vais le refaire. Ça va être dur, hein. Je vais le faire là. Donc voilà. Je vais essayer par exemple de cacher cette tache de naissance, on va dire, que j'ai sur la main droite. Je vais tester ça. Pas évident, hein, avec une main. Donc voilà. J'en ai encore un peu à étaler. Non, franchement, elle fait naturel.
Elle en fait pas des paquets, c'est une CC crème, pas besoin de mettre 10 000 crèmes avant. Et ça va, elle sèche vite. Elle est parfaite. La tache de naissance se voit légèrement, donc ouais, faut pas faut pas trop d'imperfections pour mettre cette CC crème. Sinon, ça va se voir très peu comme ici. Sauf si j'en mets un peu plus selon mon intensité de couvrance, quoi. Ouais. Donc, ouais, vu que je l'ai bien étalée, elle se voit bien. Ensuite. Ensuite. Comment dire, le illuminateur teinte Cuba. Cuba, on va dire. Teinte Cuba. Donc, teinte pêche. Elle est pas mal. Ouais, j'ai bien servi. Je vais m'en resservir. Donc, voici. Pas évident. Donc voilà, je l'ai étalée très peu. Elle a un peu des reflets dorés sur un fond corail. Mais par contre, je crois qu'il y a de l'huile. Ouais. Dommage, ça se voit trop clair là. Voilà. Faut que je mette un l'ombre. Non, c'est pas mal ça. Pour l'hiver, quand t'as le teint super pâle, bah c'est ça donne bonne mine. Pourquoi ça se voit pas assez? Voilà, là un peu. Mais c'est plus orangé, rosé, en vrai que là. Attends, on dirait que je me suis frappée. Donc voilà. Non, moi j'aime bien. Faut la tester sur place pour mieux les voir parce que les illuminateurs, c'est très difficile à démontrer en caméra. Ensuite. Ça c'est ok. Je fermerai plus tard. Ensuite, celle-ci. Palette contouring. J'ai bien utilisé. À un moment, ça a failli fondre. Mais je l'ai retiré à temps, donc ça va. Et j'ai surtout utilisé cette teinte qui est ma teinte naturelle. Donc voilà, il y a un jaune pâle. Un beige très clair, un beige normal, un beige foncé, marron clair, et là couleur café. Hein. Donc je m'en suis bien servi et franchement ça couvre super bien aussi les imperfections, surtout ceux-là, là, ceux du haut. Donc voilà, le petit tuto qui était avec dans le kit. Voilà. Ça dit bien un par un chaque étape à faire. Un jour, il faudra que je teste ce tuto, quoi. Ouais, faudra que je teste pour voir si ça rend bien. Il y avait d'autres teintes, mais moi, ma teinte, c'est la plus claire. Et c'est celle-ci la plus claire. Cette palette. Après, les autres, c'est trop foncé pour moi. C'est mort. Ouais, il y en a trois en tout, on dirait. Je sais pas. Ouais, trois. Trois teintes en tout. Et j'ai la plus claire. Donc voilà. Ouais, la light 95. Après les autres, ça doit être du médium et du dark. Un truc comme ça. Ensuite. Ah, le meilleur des highlighters. Slick. Pouf, elle est magnifique. Magnifique. Celle-là, elle est. Ouf. Oh la vache. Regardez-moi ça, cette. Cette pigmentation, et encore j'ai pas trop appuyé, hein. Elle est beige doré,
très beau highlighter. Celle-ci, elle est holographique, crémeuse. Celle-là aussi crémeuse, holographique verte. Celle-là, elle est poudreuse, la rose, holographique, donc poudre rose. Et celle-là, poudreux, on va dire irisé rose. Enfin, crémeux rose. Donc voilà. Très belle palette. Elle est connue, celle-ci. Hein. C'est la Highlighting Palette. Donc voilà, Distorted Dreams. D'accord. Ok. Ensuite, celle-ci. C'est la palette Solstice. L'une des plus connues qui a été super en vente. Donc, ouais, j'ai bien utilisé. J'ai même mis un petit pinceau sur le côté. Surtout ce rose là, il est magnifique. Ouf, toujours aussi pigmenté, il n'y a rien à dire. Waouh! Oh la vache! On dirait une perle. Ouais, ça fait très perle. Ensuite, une crémeuse, on va dire, ouais, nacré beige. Voilà. Ensuite, un autre highlighter. Plus nacré jaune doré. Et l'autre, on va tester. D'accord, elle est nacré orange poudreuse. Donc ouais, il y en a trois poudres et une crème. Et la crème, elle sert de base pour intensifier les autres trois poudreuses. Donc voilà, c'est pas mal. Donc à mettre au doigt et après on étale avec le pinceau, le gros pinceau là. Donc voilà, très pratique. Ensuite, celle-ci, ah, celle-ci, c'est ma préférée. Ouais, j'ai mis un petit pinceau aussi car je m'en suis servi pour les yeux. Surtout la bleue là. C'est la plus magnifique des teintes de tout ce que j'ai, je crois. De tous les slips que j'ai. Donc, on va la tester. Oh là là, regardez-moi ça. Ça fait la Reine des Neiges, quoi. C'est la teinte de la Reine des Neiges. Un bleu glacial. Un bleu glacé, je veux dire. Oh la vache. Trop beau. Ah, mais ça, en hiver, c'est super. Magnifique. Magnifique, franchement. Donc là, c'est une crème argentée. Donc, comme l'autre, la Solstice, il y a toujours trois poudrées et une crème argenté pour mettre en base et intensifier les trois autres. Donc on a le choix entre du attends, ça rend comment? Ouais, ça rend un peu rose pêche. Celle-ci, rose pêche nacré, on va dire. Ah, il est beau, hein? Très beau. Celle-ci, elle est argentée, donc en creux de l'œil, c'est pas mal aussi. Donc voilà. Donc la crème est pour en tant que base pour intensifier les trois autres. Ou seul hein, aussi, c'est possible. Donc voilà. Le nom de la palette Midas Touch. Très belle palette. Ah, c'est invendable. Ces palettes-là, elles sont magnifiques. Et en plus, la marque Slick n'est pas très chère, donc foncez. Hein. Chez Sephora, c'est un peu cher, j'avoue. Voire 12-15 euros. Je connais un autre site, c'est Mon Coin Make-up, un truc comme ça. Où j'ai des palettes à 5 euros. Slick, hein. Et que du vrai, hein. C'est moi, hein, j'achète jamais de la contrefaçon. Là, j'ai que du vrai. Toutes mes vidéos, c'est que du vrai. Ensuite, prochaine palette. Bon, celle-là, elle fait tout. Surtout pour les soirées. Donc, un bronzer, un blush.